salut les BG's, ici BG de retour pour une réaction à un clip de K-pop et aujourd'hui c'est le comeback des NCT Dream. Alors récemment il y a eu la réorganisation des NCT qui déjà est un gros bordel et maintenant comme bien entendu au fur et à mesure des années ils prennent de l'âge, le concept des NCT Dream, en plus d'avoir déjà par le passé un petit peu mûri, devient complètement caduque. Je crois avoir compris que Mark réintégrait les NCT Dream et que maintenant ils gardent les sous-unités mais que ce serait plus du tout en fonction de l'âge. En tout cas j'ai vu le teaser pour Riding et entre ce que j'ai vu et le titre, ça va parler clairement de voiture et de moto peut-être, j'en sais rien. En tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, c'est vraiment du côté adulte des NCT, du côté un petit peu pumped up, ça va pas être une musique pop cute colorée comme à leur début. En tout cas j'ai hâte, j'adore tout ce que les NCT de toutes les factions font, donc c'est parti, allez on va se faire la réaction à NCT Dream Riding. Allez 3, 2, 1, brrr. Sirène de police, la nuit il pleut. Est-ce qu'ils font des courses illégales à la Fast and Furious? Les sons déjà très très lourds et on commence par un petit rap. Ah c'est pas super cool. Oh, petite mélodie qui descend en deux temps. Une petite voiture électronique. Oh, il l'a fait en même temps que moi, il m'a copié. Le son est lourd. Vous avez vu, ils font le mouvement riding comme ça avec la main dans le, au début de la choré. On dirait qu'ils se trouvent dans des ruelles à l'intérieur et parce qu'il y a des plafonds avec des ventilos, c'est un peu bizarre comme endroit. Travail de caméra de ouf. Oh! Ah j'adore comment ils enchaînent les petites mélodies sur ce son lourd. Ah ce passage. Comme ils prennent souvent la pause sur leur voiture. Ah les motos sont là tiens. Et on se croirait plus dans une boîte de nuit d'ailleurs. Ah, quand ils sont en harmonie là! Le son derrière, comme il est vraiment lourd, comme. Et il travaille énormément sur les harmonies. Il y a beaucoup, beaucoup de phases où il y a de l'harmonie derrière. Waouh, mais il y a tellement de choses cool qui s'enchaînent visuellement. La tête de mort, le néon derrière, le journal qui brûlait, mais que en forme de V. Je sais pas si c'était exprès ou pas. Ah, ils s'énervent en termes de rythme. Ah oui, en même temps qu'ils accélèrent, vous avez vu sur le cadran de la vitesse. Ça, j'adore. Ouh. C'est très mélodique, très vocal. Il y a énormément d'harmonie, il y a des petites high notes discrètes. Oh, ça s'arrête vraiment direct d'un coup comme ça, quoi. Ça se passait dans deux endroits, très jolis, mais vraiment que deux endroits. Un pour les voitures, un pour les motos, j'ai l'impression. Le premier était très... les deux étaient très urbains comme leurs fringues, mais c'était que dans la nuit. Le premier dans une sorte dans des sortes de ruelles qu'on aurait pu croire à l'extérieur, mais vraiment c'était à l'intérieur. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était couvert, c'était très étrange, mais ultra stylé. Ils prenaient très souvent la pause, il y avait souvent des inserts d'images où ils étaient là en train de prendre la pause sur leur voiture à côté ou dans la rue. Et après, il y a eu les motos qui sont arrivées en plein dans la boîte de nuit. Je pense pas qu'il y ait de partenariat genre pub pour des marques de voitures.
d'ailleurs. Je pense qu'ils ont juste voulu, en accord avec la musique et la choré qui était vachement bien trouvée, mettre des engins motorisés. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé de choses à analyser dans le clip que ça. C'était vraiment très visuel. J'ai beaucoup aimé, vous me connaissez, le rythme et le son lourd par derrière, les harmonies, les high notes par moment. Ça restait quand même sur un tempo qui était relativement le même tout le temps. Alors il y avait bien entendu les moments en bridge ou en pré-chorus où ça partait un peu plus en douceur et en mélodie pour remonter. Mais le refrain était quand même s'il était très sympa, en retrait j'ai l'impression que c'était vraiment juste une continuité. Ça manquait un petit peu d'explosion, mais sinon la musique en général, j'ai super kiffé, c'était très stylé, surtout visuellement. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires. Lâchez-vous, je vais vous laisser. Prenez soin de vous car c'est le plus important et à la prochaine fois, ciao.